À cette heure, nous pouvons faire addition with carrying. Carrying veut dire soy. 148 plus 25 égale 148 plus 25 equal. Donc, nous pouvons mettre un chiffre dans une colonne. Premier chiffre, quoi là-haut? On va mettre ce units, tens, hundred. Units, poids dans units. Ten, poids dans ten. Hundred, poids dans hundred. Deuxième chiffre, poids en bas. On va mettre units, tens. Units, poids dans units. Ten, poids dans ten. Et on va mettre ce signe plus. Parce que là, je fais ce calcul, je commence par colonne units, il y en a 8, je fais 8 petits dessins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, il y en a 5, je fais 5 petits dessins. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais plus, je mets tout ensemble. On nous compter combien il y fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il fait 13. Mais je n'ai pas le droit de mettre deux chiffres dans une colonne. Alors, ce qu'il me fait, je mets units, tens, units, pardon, units, et ten, je sors, c'est-à-dire je carry, c'est même qui appelle faire carrying, je sors, je mets dans la colonne ten, je mets un petit 1 plus, ça, n là aussi, je peux ajouter. Ça veut dire qu'il fait n. Plus 4, je vais mettre 4 dessins. Et ça D là aussi, je vais mettre ce D petit dessin. Alors, je vais faire plus, je vais mettre tout ça ensemble. Ça veut dire ça N là, c'est ça N qui me sort, je vais mettre là. 4, je vais mettre ce 4 petit dessin et D, je vais mettre ce D petit dessin, je vais mettre tout ensemble. Je vais compter combien il y fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout, il y fait 7. Vous mettez dans ce colonne 10. Après, malgré la colonne 100, n plus 0, plus rien, il peut faire n même. Voilà, mon gagne sa réponse. 173. 173. Vous mettez sa réponse là-haut.